Nous sommes réunis afin d'assister à un moment important pour notre ville et témoigner de la signature du protocole de partenariat qui va unir notre ville française d'Épinay-sur-Seine à la ville algérienne de Tichy, agrandissant par là même notre famille internationale. Depuis 2011, nous avons engagé un rapprochement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le courant est bien passé. Une partie des Spinaciens ont des origines algériennes, entre autres Kabyles. Par conséquent, le partenariat qui va voir le jour entre nos deux collectivités territoriales a vraiment du sens. Que peut-on souhaiter aujourd'hui? Évidemment, des échanges, des actions qui se multiplient. Vive Tichy, vive Épinay-sur-Seine, vive l'Algérie, vive la France. Je suis ici cette occasion pour rendre hommage à tous ceux et à toutes celles qui nous ont aidés à concrétiser ce projet d'échange et rapprochement dans cette dimension humaine. Notre histoire a forgé notre présent et nous avons le devoir impératif de construire notre futur en tenant compte de tout ce qui mûre. Mes concitoyens sont très attentifs aux résultats de notre démarche et nous sommes conscients que les citoyens de la ville d'Épinay-sur-Seine sont dans le même état d'esprit. En mon nom et au nom de la délégation qui m'accompagne, merci. D'abord classifier les espaces, qu'est-ce qu'on veut, hein. Et ensuite on fait une gestion en fonction de l'environnement et des usages des lieux. Donc ils ont créé des ronciers et ils ont vu en fait comment maîtriser à moitié la nature. On a vu les ruches. En centre-ville. On a vu aussi la déchetterie d'Épinay-sur-Seine, ce qui est aussi quelque chose à développer chez nous. Les employés de la mairie ils sont extra, ils étaient disponibles à 100%. C'est parfait. Le mot, c'est parfait. Tout est parfait.